Mon nom c'est Marie-France Joachin, je viens d'Haïti. Je suis activiste féministe et ceci depuis 25 ans. J'espère que ça ne me vieillit pas trop. Être féministe pour moi, c'est ce que j'ai fait pendant ces 25 dernières années au cours de ma vie. C'est-à-dire lier la théorie et la pratique. En même temps, en fait, je lis sur le féminisme, en même temps, j'essaie de me former sur le féminisme, sur ce que c'est et ce que cela représente dans la vie et des femmes sur le mouvement féministe en général, mais c'est aussi la pratique, c'est-à-dire c'est être dans les rues, c'est être là à interroger les dirigeants sur les droits des femmes, c'est être dans les pas les négociations et plutôt des séances de plaidoyer avec les dirigeants, que ce soit au niveau national et international, sur la nécessité de prendre des mesures en vue de diminuer, de supprimer les violences dont sont victimes les femmes. Et donc voilà ce que c'est que le féminisme pour moi. Et pour construire le féminisme au niveau mondial, je crois que ceci requiert toujours de la détermination des femmes, parce que ça fait un moment que nous luttons pour l'égalité. C'est clair qu'il y a des acquis, mais de plus en plus, avec toute cette montée du conservatisme à travers le monde, ces acquis se fragilisent. Donc il est intéressant, il est fondamentalement important pour que les femmes s'organisent, et particulièrement les jeunes femmes, pour que nous puissions continuer cette lutte pour l'égalité, cette lutte contre le système patriarcal. Merci.